Raia mojawapo wa mji wa Uvira pia wanamemba wa chama cha kisiasa cha Ensemble pour la République yake Moise Katumbi Chapwe wameandamana hii Jumanne tariki 6 Februari mwaka 2024 katika eneo la Monima lipatikana kwenye kata la Kimanga mjini Uvira. Hawa wakiimba kwa wimbo wingi sana atutaki mturudishie sauti zetu kwa mbunge wetu Simba Dudu. Raia hao walionekana wenye majonzi na hasira nyingi sana, wameonesha hasira zao na wameandamana kuanzia Monima na kujielekeza kwenye makao makuu ya meya wa mji wa Uvira ambapo wanamemba hao raia hao wenye hasira wameenda wakiimba nyimbo nyingi sana ambazo ni nyimbo za kuomba serikali na tume huru ya uchaguzi CENI irudishe matokeo ya uchaguzi ambayo ni sauti walizompa kiongozi wa Fondation Simba Dudu Bwana Fiston Simba Dudu ambaye alikuwa mbunge katika ngazi za kitaifa na za kijimbo jimboni Kivu ya Kusini. Wakati walipowasili kwa meya makamu wa mji wa Uvira Kifara Kapenda Kiki, viongozi wa chama hicho cha Ensemble pour la République wamesoma kibarua chao mbele ya meya makamu wa mji wa Uvira wakiomba kwake kama kiongozi kutoa ombi na kutoa maoni mazuri sana kwa tume ya uchaguzi ili kufuatilia kwa makini sana kuhusu sauti alizozipata kiongozi huyo Bwana Simba Dudu ambaye aliyepita wa upande wao aliyepita na sauti 9434 katika ubunge wa kitaifa, ngawapo kuna wabunge ambao waliopita na 6000 za sauti za waliochaguliwa na raia. Upande wake kiongozi wa washirika wa chama cha Ensemble pour la République Bwana Gile Kikwire ameomba kwa meya wa mji wa Uvira ya kwamba na kumtakia kwamba siasa sio upinzani lakini siasa na sio uadui kwa sababu wanatumika hili maendeleo ya nchi pate kuwa mazuri. Na upande wake meya makamu Kifara Kapenda Kiki amepongeza sana waandamanaji hao kwa sababu inakubalika katika katiba ya nchi. Amewaomba kuwa na heshima tu vitu vya serikali na kutokufanya vurugu wakati wa maandamano yote kwa sababu maandamano yanakubaliwa na nchi na nchi na wakongomani wote ili kunufaika na kwa wote. Pour la République Fédération d'Uvira. Déclaration politique à la suite des élections chaotiques du 20 décembre 2023. Nous, peuple Uvira, sommes réunis à ce jour avec beaucoup de regrets et d'amertume pour dénoncer au plus profond les simultanés électoraux du 20 décembre 2023 et les résultats qui en découlent. Ne reflète pas la vérité des urnes, moins encore la volonté de la population mercier dira la première quinquennat du régime médiocrate de l'IDPS et ses alliés. À cette date d'élection, nous sommes rendus aux urnes avec une ferme conviction de présenter notre volonté la plus profonde et nous l'avons fait. Cependant, il s'est dégagé que la Commission électorale nationale indépendante, qui devait être une institution d'appui à la démocratie, n'a été qu'une voie pure et simple de consécration de la tricherie à grande échelle et du détournement de la volonté populaire, manifeste volontairement avec des coups d'essai au lendemain de l'élection interminable du 20 au 27 décembre 2023 et finalisée par la proclamation des nommés à la place des véritables élus du peuple en violation des prescrits démocratiques de la Constitution et de la loi électorale, faisant ainsi ces élections un véritable hold cap malgré les multiples dénonciations à l'échelle locale, nationale ou internationale. Au regard de la tricherie et de la fraude orchestrée par les animateurs de la CENI et plusieurs cadres de l'Union sacrée, rien n'a bougé et comme si cela ne suffisait pas, les irrégularités constatées ne sont prolongées au niveau de la députation nationale, provinciale, au conseil municipal, avec des résultats fabriqués de toutes pièces. Force est de constater que la circonscription d'Ouvira, un candidat a bâti record lors de la compilation des résultats au centre local de la compilation des résultats, n'a pas été proclamé au motif que son parti Ensemble pour la République n'a pas atteint le seuil. Le seul, ce qui est très faux, d'autant plus qu'à l'absence des résultats de 42 des multiples bureaux de vote de la circonscription, ce candidat avait amassé à lui seul 9434 voix,
mais n'a été proclamé élu au niveau national ni au niveau provincial. Ce qui est dommage et lance un discrédit de plus à la centrale électorale. Au regard de tout ceci, puissent ces institutions compétentes, à savoir la Cour constitutionnelle, Cour d'appel, la communauté internationale, etc., de s'impliquer pour l'application et le respect de la Constitution et de la loi électorale en démocratie, les pouvoirs émanés du peuple. Et si nous, peuple d'Ouvira, ne nous reconnaissons pas à travers les députés nommés, nous présentons toute notre désolation et nous désolidariser à ces députés prédateurs qui, selon nous, ne promouvront que misère et souffrance au profit de ceux qui les ont mandatés. Qu'elles ne sont pas, Ouvira mérite mieux. Nous réclamons le respect de notre volonté exprimée aux urnes et halte au dictat qui ne passera plus jamais chez nous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive ensemble pour la République. Merci. Fait à Ouvira, Jean-Guiré Kikwere Karangwa, président fédéral. Tunawashukuru kwa kufanya hii exercice démocratique. Inchi ni yetu sie wote. Na sheria inapashwa itumikiwe kwa watu wote. Hapana une catégorie de personnes, hapana. Uvira tout comme Congo haiko ya parti politique. Ni ya wakaaji wa Congo. Na wakongomani wameenda kwa uchaguzi. Kila mkaaji amechagua mwenye amependa. Sasa kwa leo imeonekana kama mweye mnafika kutetea mbingwa wenyu. Mnawaza kama ameibiwa. Tunawashukuru kwa kuweza kufanya hii exercice democratique. Hakuna mtu mwenye amewazibia juu inchi ni yenyu. Alors sasa tunatafuta kuambia kama d'abord remarque ya kwanza. Prochainement wakati wanafanya manifestation, il faut kushauria wa mambre wetu. Puisque Uvira ni yetu. Haiko sema kama huyu parti fulani ndio aliganye inakosa Uvira inakuwa ya kwake. Hapana. Ni yetu sie wewe mwa aliganye na mwa kuganye, sie wote ni mali yetu. Tafuta kuonesha kama hii mnafanya watu wanaona hadharani. Kama watu wa ensemble kupitia mbingo wabu Dudu wamefanya me haiko si yenye tunahusu mambo ya uchaguzi. Mambo ya uchaguzi inahusu seni na bakur et tribunal. Mwe mwangalia fasi gani kwenye exactement ameibiwa. Donc mwangalia, vous êtes un grand parti organisé. Kama ni kulivo national ni Kinshasa kukuru constitutionnel. Kama nani ni niveau provincial ni niveau ya Bukavu. Malheureusement tukufanya walokali juu ya hapa tuto kunani. Mwangalie mfanye ile barakuru na ebo njoo bako habilite kwa kuweza kukata hii maneno. C'est vrai tuko tunajenga Congo, pako mambo hatuko bageni mkongo. Tunayua mambo iko napitika mkongo. Mais il faut tufanye effort tuangalie kisi gani tutarelever justice yetu. Juu justice njoo itakuwa inatugabula. Mwenye anaenda kinyume wanamrudisha bila kuangalia sura, bila kuangalia chama, bila kuangalia kabila yake. Donc nafikiri tunawashukuru sana, tunakamata memo, tutaiadresser si kwa autorite, mais recours ya bien ni kujustice. Nikiripoti kwa niaba mwana Weka ya TV.